Boker Tov à tous, on continue avec la tfila de la Teshuva, du repentir. Une fois qu'on a demandé le da'at, la connaissance, le savoir, une fois que on connaît et on sait les choses, alors on comprend que notre Avodat Hashem, notre service d'Akadosh Baruch Hu, n'est pas complet et qu'il nous manque des choses. Donc on a besoin d'abord de savoir qu'il nous manque des choses pour ensuite demander à Akadosh Baruch Hu de faire ces choses bien. Quand on va étudier la Torah, c'est pas juste pour apprendre quelque chose, c'est pas juste pour agrandir sa culture ou devenir plus intelligent, parce que on sait que dans la Torah il y a tout marqué. C'est-à-dire que les scientifiques depuis des années ils cherchent des choses et on se rend compte qu'à la fin tout était marqué dans la Torah. Donc la Torah c'est pas juste, c'est vrai que c'est quelque chose où on peut énormément apprendre, on peut devenir plus intelligent, mais l'essence même de la Torah c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et comme malheureusement, des fois dans nos vies, on a tendance à trop prendre cette Torah pour acquise et pour un livre de connaissances, en se disant on l'étudie pour connaître plein de choses, mais qu'on n'arrive pas à prendre cette Torah vraiment pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Donc à ce moment-là, on demande grâce à notre savoir de se repentir vers Akadosh Baruch Hu, qu'on essaye au maximum de se rapprocher à travers nos actions, à travers justement cette intelligence que Dieu il a donnée à la terre, que ce soit les plantations, que ce soit les animaux, que ce soit ce corps humain, que ce soit les différentes émotions de l'homme. Toutes ces choses-là, en fait, elles sont là pour nous aider à vivre évidemment en société, mais pour nous aider à nous rapprocher d'Akadash Baruch. Et quand on a le date, quand on prend conscience de tout ça, alors on arrive à faire teshuva, à se repentir et à dire à Akadash Baruch, mais tout ce que tu nous as donné finalement, c'est juste pour qu'on se rapproche plus de toi. Bonne journée à tous.